بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc après la pause due au Hajj, qu'Allah عز وجل accepte de nous l'ensemble de nos bonnes œuvres. On commence, comme cela avait été annoncé avant le Hajj, la lecture ainsi que la traduction et quelques commentaires sur un nouveau livre appelé Al-Qawl al-Mufid ala aw fi adillati at-tawhid. Donc on commence inchallah par le cours de Aqidah qui sera suivi par le cours de Fiqh. Al-Qawl al-Mufid fi adillati at-tawhid, si on traduit littéralement, c'est la parole bénéfique dans les preuves du tawhid. Et les preuves du tawhid qui sont voulues, ce sont bien sûr les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Donc la parole bénéfique dans le tawhid, on appellera ce livre ainsi. Et c'est un livre de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab ibn Ali al-Yamani al-Wisabi al-Abdali, connu par son nom Mohammed ibn Abdel Wahhab al-Wisabi, qui est à l'heure actuelle le Cheikh le plus réputé et le plus respecté au Yémen, qui a son marquez, qui a son centre d'apprentissage dans la ville appelée Al-Hudaydah. Dans la ville appelée Al-Hudaydah, qui se situe, si mes souvenirs sont bons, à l'est du Yémen. Qui se situe à l'est du Yémen, et c'est un cheikh respectable. Cheikh Mokhbir, rahimahullah, lui donnait beaucoup d'importance et avait envers lui un immense respect, et ce respect est toujours d'actualité jusqu'à nos jours. Son livre, Al-Qawl al-Mufid, se veut être un livre qui résume le tawhid et la croyance du musulman. Et Cheikh Hafidahullah a beaucoup insisté sur les preuves, sur les versets, sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Celui donc qui dès le début mémorise et apprend les hadiths qui sont dans ce livre ainsi que les versets, eh bien aura au final un bagage non sans conséquence et important en termes de preuves, car l'on parle beaucoup de l'importance du tawhid, que c'est l'unicité d'Allah Azzawajal, qu'Allah Azzawajal doit être adoré seul sans ne rien lui associer, et que les musulmans doivent s'éloigner du pire des péchés qui est l'associanisme, c'est-à-dire d'adorer autre qu'Allah. Et ce que signifie le shirk, ce n'est pas c'est plus vaste que ce que les gens peuvent connaître. Ce n'est pas seulement se prosterner devant autre qu'Allah, mais c'est bien plus vaste que cela. Et cela englobe bien sûr tous les sens du terme de l'adoration. Et si tu as besoin d'appeler ta famille ou les gens de ton entourage à l'unicité d'Allah et à les mettre en garde contre le polythéisme, il faut que tu apportes des preuves qui vont satisfaire ces personnes et qui vont les convaincre. Et les preuves, si tu ne les connais pas, tu pourras difficilement convaincre les gens. Ainsi, ce que je vous recommande, c'est bien sûr d'apprendre autant
de versets que possible et autant de hadiths du prophète sallam que possible en ce qui concerne l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Al-Wisabi hafidhahullah commence son livre par expliquer la signification de la ilaha illallah. Et pour information, ce livre a été traduit entièrement. Comment il a été traduit, je ne sais plus. Un livre jaune. Leçon de Tawhid. Donc il a été traduit entièrement. Ceux qui veulent se l'approprier peuvent le faire. طيب يقول الشيخ معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله وغير الله إن عبد فبباطل قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. La signification de la إله إلا الله, c'est-à-dire que nul ne mérite d'être adoré ou nul n'est adoré dans la vérité sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et que, autre qu'Allah, lorsqu'il est adoré, eh bien, il est adoré dans le faux. Il est adoré dans le faux. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat al-Hajj et dans Surat al-Luqman. Pour Surat al-Hajj, c'est le verset 62, et pour Surat al-Luqman, c'est le verset 30. Ce sont deux versets identiques dans lesquels Allah Azza wa Jalla dit selon le sens, c'est ainsi qu'Allah Azza wa Jalla est la vérité. Et que ce qu'ils adorent ou ce qu'ils invoquent en dehors de lui est faux, et c'est ainsi qu'Allah Azza wa Jalla est le très haut et le plus grand. Allah Azza wa Jalla est le plus haut, le très haut et le plus grand, subhanahu wa ta'ala. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, dans le verset, sache qu'il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adorée qu'Allah. Ce qu'on va faire, inchallah, au fur et à mesure du livre, c'est de prendre l'explication des versets de Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, le professeur et le maître de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimallahu al-jami'. On fera dans les versets qui sont nécessaires ou qui sont importants. On ne le fera pas dans tous les versets, mais dans ceux qui méritent explication, éclaircissement et commentaire. Concernant ce verset, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلِ وأن الله هو العلي الكبير qui est le verset 56 ou 62 afwan de Surat al-Hajj. يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية ذلك صاحب الحكم والأحكام ذلك بأن الله هو الحق أي الثابت الذي لا يزال ولا يزول الأول الذي ليس قبله شيء الآخر الذي ليس بعده شيء كامل الأسماء والصفات صادق الوعد الذي وعده حق ولقاؤه حق ودينه حق وعبادته هي الحق النافعة الباقية على الدوام. Il dit, رحمه الله, en expliquant ce verset, c'est ainsi qu'Allah est la vérité. C'est-à-dire celui qui persiste, celui qui reste et restera, subhanahu wa ta'ala. C'est le premier, il n'y avait avant lui personne. C'est le dernier, il n'y aura après lui aucune chose. C'est lui qui a les noms et les attributs les plus parfaits. C'est lui qui, ou dont les promesses sont vérité. Sa promesse est donc vérité. Et sa rencontre est vérité, sa religion est vérité, et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala est la vraie, celle qui apporte un bénéfice à celui qui l'accomplit, et celle qui restera à jamais. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ Ainsi Allah est la vérité. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ
من الأصنام والأنداد من الحيوانات والجمادات هو الباطل الذي هو باطل في نفسه وعبادته باطلة وعبادته باطلة لأنها متعلقة بمضمحل فان فتبطل تبعا لغايتها ومقصودها. Ainsi, Allah est la vérité et ce qu'ils invoquent en dehors de lui, c'est-à-dire parmi les statues, parmi les idoles, parmi les animaux ou parmi les choses qui n'ont pas d'âme, comme les arbres, les pierres et autres. Et que tout ce qu'ils invoquent en dehors d'Allah est nul, c'est-à-dire qu'il est nul en soi, et que son adoration est nulle. Tous ceux qui adorent autre qu'Allah Azzawajal, ce qu'ils adorent est nul en soi, c'est-à-dire qu'il ne mérite en aucun cas d'être adoré, et qu'il n'apporte aucun bien, et qu'il n'épargne d'aucun mal. Et le fait d'adorer ces choses est également nul. Pourquoi ? Car tu adores une chose qui ne mérite pas d'être adorée. C'est une chose qui est amenée à disparaître et à s'éteindre. Ainsi, adorer une telle chose prouve la nullité et le caractère faux de cette adoration. وأن الله هو العلي الكبير العلي في ذاته فهو عال على جميع المخلوقات وفي قدره فهو كامل الصفات وفي قهره لجميع المخلوقات الكبير في ذاته وفي أسمائه وصفاته الذي من عظمته وكبريائه أن الأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ومن كبريائه أن كرسيه وسع السماوات والأرض ومن عظمته وكبريائه أن نواصي العباد بيده فلا يتصرفون إلا بمشيئته ولا يتحركون ويسكنون إلا بإرادته. Et c'est ainsi qu'Allah est le Très-Haut et le Plus Grand. Allah Azza wa Jal est le Très-Haut dans son essence. Il est au-dessus de l'ensemble de ses créatures. Il a les caractères les plus complets. Et Allah Azza wa Jal a la suprématie sur l'ensemble de ses créatures. Il est le plus grand dans son essence. Il est le plus grand dans ses noms, dans ses attributs. Et parmi son immensité et son orgueil, subhanahu wa ta'ala, car Allah Azza wa Jal est le seul qui a le droit d'être orgueilleux, car c'est le seul qui a ce don d'être orgueilleux, d'avoir l'orgueil, car l'orgueil c'est le fait de se considérer comme meilleur et plus grand que toute chose. Et Allah Azza wa Jal est le seul qui est doté de cette qualité. Et ce qui prouve l'immensité d'Allah Azza wa Jal, c'est que la terre sera prise dans sa main, subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement. Et ce qui prouve l'immensité d'Allah Azza wa Jal, c'est que son repose-pied est aussi vaste que les cieux et la terre. Et ce qui prouve également l'immensité d'Allah Azza wa Jal, c'est que aucun de ses serviteurs ne peut faire une chose. Aucun de ses serviteurs ne peut bouger ni s'arrêter sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haqiqatul kibriya la ya'lamuha illa hu la malakul muqarrab wa la nabiyul mursal annaha kullu sifati kamal wa jalal wa kibriya'in wa 'azamah fa hiya thabitatun lah wa lahu min tilka as-sifah ajalluha wa akmaluha ومن كبريائه أن العبادات كلها الصادرة من أهل السماوات والأرض كلها المقصود منها تكبيره وتعظيمه وإجلاله وإكرامه ولهذا كان التكبير شعارا للعبادات الكبار كالصلاة وغيرها.
et la grandeur d'Allah Azzawajal et son immensité réelle n'est connue de personne sauf lui Azzawajal, ni un ange rapproché ni un prophète envoyé ne connaît la réelle grandeur et immensité d'Allah Azzawajal. Et ce qui prouve également l'immensité d'Allah Azzawajal, c'est que l'ensemble des adorations d'Allah, quelles que soient les personnes qui font ces adorations, parmi les habitants des cieux ou de la terre, toutes ces créatures qui adorent Allah Azzawajal, l'adorent dans le but d'immensifier Allah Azzawajal, de proclamer sa grandeur, de le glorifier subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que le takbir, de dire Allahu Akbar, est l'emblème des grandes et des immenses adorations, comme la prière et autres. Lorsque tu fais la prière, la première chose que tu dis c'est Allahu Akbar. Tu attestes de la grandeur d'Allah Azzawajal et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que toute chose. Quelle que soit cette chose, Allah Azzawajal est plus grand qu'elle. Ainsi, tu adores celui qui est plus grand que toute chose. Tu as peur de celui qui est plus grand que toute chose. Tu te prosternes devant celui qui est plus grand que toute chose. Subhanahu wa ta'ala. Ainsi a terminé Cheikh Al-Sa'di rahimahullah l'explication de ce verset. Ainsi, Allah est la vérité et ce qu'ils adorent en dehors de lui est faux. Et c'est ainsi qu'Allah est le très haut et le plus grand. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah. Et sache qu'il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adorée qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Al-Sa'di rahimahullah dit dans l'explication de ce verset: العلم لا بد فيه من إقرار القلب ومعرفته بمعنى ما طلب منه علمه وتمامه أن يعمل بمقتضاه. وهذا العلم الذي أمر الله به هو العلم بتوحيد الله، فرض عين على كل إنسان لا يسقط عن أحد كائنا من كان، بل كل مضطر إلى ذلك. والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله أمور. Il dit, rahimahullah, la science que nous a ordonné Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, c'est la science du tawhid, qui est une obligation pour chaque musulman. Ce n'est pas une obligation qui, lorsque l'un des musulmans l'a fait, eh bien, elle est ôtée et elle est exempte pour les autres. Non, la connaissance du tawhid est une connaissance que chaque musulman doit avoir. Personne n'en est exempté, quelle que soit cette personne. Tout le monde est obligé et forcé d'apprendre le tawhid. Il dit, rahimahullah, que le chemin pour apprendre le tawhid et pour savoir et pour avoir la connaissance qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah et que rien ne doit être adoré en dehors de lui, il y a plusieurs étapes. أحدها بل أعظمها تدبر أسمائه وصفاته وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلاله، فإنها توجب بذل الجهد في التأله له والتعبد للرب الكامل الذي له كل حمد ومجد وجمال. La première des voies pour apprendre, ou la première des étapes pour apprendre l'unicité d'Allah, c'est la première et qui est l'une des plus importantes, c'est de méditer sur les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. De méditer
sur ses actes qui prouvent sa grandeur et sa splendeur subhanahu wa ta'ala, et de connaître les noms d'Allah et de connaître ses caractéristiques et de connaître ses actes, eh bien cela te pousse à redoubler d'efforts dans son adoration et à te soumettre à ce Seigneur qui est parfait dans tous ses noms et attributs. الثاني العلم بأنه تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير فيعلم بذلك أنه المنفرد بالألوهية. Deuxièmement, c'est de savoir et d'avoir la connaissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui a créé les cieux et la terre, et c'est le seul qui en a le contrôle. Ainsi, tu sauras que c'est le seul qui mérite d'être adoré. La troisième étape, العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية فإن ذلك يوجب تعلق القلب به ومحبته والتأله له وحده لا شريك له. Quatrième et troisième étape, de savoir et d'avoir la connaissance qu'Allah Azza wa Jal est le seul qui t'a comblé de bienfaits. Les bienfaits apparents comme les bienfaits cachés. Les bienfaits qui ont un rapport avec la religion comme les bienfaits qui ont un rapport avec cette vie d'ici-bas. Tous ces bienfaits dont Allah Azza wa Jal t'a comblé, tout cela doit te pousser à ce que ton cœur soit attaché à lui, à ce que ton cœur l'aime et à ce que tu l'adores lui seul, subhanahu wa ta'ala, sans de rien lui associer. الرابع ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر والنعم العاجلة ومن عقوبته لأعدائه المشركين به فإن هذا داع إلى العلم بأنه تعالى وحده المستحق للعبادات كلها. La quatrième étape, c'est ce que l'on voit et ce que l'on entend comme récompense qu'ont les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui l'adorent et qui l'unifient subhanahu wa ta'ala dans leurs adorations, ce qu'ils ont comme victoire et comme bienfait, et comme bienfait dont ils jouissent dans cette vie d'ici-bas, et également de voir et d'entendre les châtiments que reçoivent et dont sont victimes les ennemis d'Allah, ceux qui adorent autre que lui. Tout ceci doit pousser et pousse à la connaissance et à la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul doit être adoré sans ne rien le lui associer, et que toutes les invocations sans exception et toutes les adorations doivent lui être vouées exclusivement subhanahu wa ta'ala. الخامس معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله واتخذت آلهة وأنها ناقصة من جميع الوجوه فقيرة بالذات لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا ينصرون من عبدهم ولا ينفعونهم بمثقال ذرة من جلب خير أو دفع شر فإن العلم بذلك يوجب العلم بأنه لا إله إلا الله وبطلان إلهية ما سواه. Qui te permet de connaître et de savoir qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah, c'est de connaître les caractéristiques et la description des divinités et des idoles adorées en dehors d'Allah, de celles qui ont été prises comme des dieux, et de savoir quelles sont qu'elles ont un manque
dans toute chose. Elles sont pauvres en elles-mêmes. Elles ne peuvent pour elles-mêmes, ainsi que pour celles qui les adorent ou pour ceux qui les adorent, elles ne peuvent apporter aucun bien ni éloigner aucun mal. Elles n'ont aucun pouvoir ni dans la mort ni dans la vie. Elles n'ont aucun pouvoir de ressusciter. Et elles ne peuvent en aucun cas donner victoire à ceux qui les adorent. Et elles ne peuvent donner comme bénéfice à ceux qui les adorent, ne serait-ce que l'équivalent de Dharra, qui est un insecte minime, et l'un des insectes les plus petits. D'autres ont dit c'est l'atome. Le fait de savoir cela, de savoir que toutes ces divinités qui sont adorées en dehors d'Allah, quelles que soient celles-ci, que ce soit des êtres humains, que ce soit des animaux, que ce soit toute autre chose, que ces divinités en soi n'ont aucun pouvoir et n'ont aucun moyen de porter bénéfice ou de récompenser tous ceux qui les adorent. Et de savoir cela, eh bien, te permettra de savoir qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et que tous ceux qui sont adorés en dehors de lui ne sont que fausseté et nul, et nullité. السادس اتفاق كتب الله على ذلك وتواطئها عليه. Sixièmement, le sixième étape qui te permet de savoir qu'il ne devrait diviniter qu'Allah, c'est l'accord de l'ensemble des livres d'Allah sur cela, sur le fait que c'est Allah seul qui doit être adoré, et le fait que les livres se sont succédés dans cela. السابع أن خواص الخلق الذين هم أكمل الخليقة أخلاقا وعقولا ورأيا وصوابا وعلما وهم الرسل والأنبياء والعلماء الربانيون قد شهدوا لله بذلك. Septièmement, la septième étape qui te permet de savoir qu'il n'est de vraie divinité qu'Allah, c'est que l'élite de la création d'Allah, ceux qui sont parmi les créatures d'Allah, celles qui ont le meilleur comportement et la raison la plus complète, ceux qui ont les avis les plus justes, ceux qui ont le plus de science, à savoir les prophètes, les envoyés, ainsi que les savants, tous ont attesté de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. الثامن ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية التي تدل على التوحيد أعظم دلالة تنادي عليه بلسان حالها بما أودعها من لطف صنعته وبديع حكمته وغرائب خلقه فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إله إلا الله وأبداها في كتابه وأعادها عند تأمل العبد في بعضها لا بد أن يكون عنده يقين وعلم بذلك فكيف إذا اجتمعت وتواطأت واتفقت وقامت أدلة للتوحيد من كل جانب فهناك يرسخ الإيمان والعلم بذلك في قلب العبد بحيث يكون كالجبال الرواسي لا تزلزله الشبه والخيالات ولا يزداد على تكرر الباطل والشبه إلا نموا وكمالا. La huitième étape qui va te permettre de savoir et d'avoir la connaissance qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné comme preuve. Comme preuve dans sa créature, qui prouve l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala.
et qui appelle en soi et qui est un appel en soi à la grandeur de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, à sa sagesse dans cela, comme l'a dit un poète, وفي كل شيء آية تدل على أنه واحد. Il y a dans toute chose une preuve que c'est lui le seul, subhanahu wa ta'ala. Toutes ces étapes cités ont été utilisées par Allah subhanahu wa ta'ala dans l'appel de ses créatures à attester qu'il n'y a de vraie divinité que lui, Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal les a cités dans son livre. Et le serviteur qui médite sur certaines de ces étapes, eh bien, sans aucun doute, et obligatoirement, il aura la certitude et la science qu'Allah Azza wa Jal est le seul qui mérite d'être adoré. Comment alors, lorsque toutes ces preuves se réunissent, et lorsque toutes ces preuves se coïncident pour approuver et pour prouver que Allah Azza wa Jal est le seul qui mérite d'être adoré. Il n'y a aucun doute que le serviteur qui a connaissance de tout cela, eh bien, aura une foi immense. Il aura une science ancrée et il sera comme une montagne qui ne pourrait être secouée ni par des ambiguïtés, ni par des al-khayalat, par des choses, comment dire, des illusions, ni par des ambiguïtés, ni par des illusions. Bien au contraire, tout cela ne peut qu'augmenter sa foi et l'ancrer. هذا وإن نظرت إلى الدليل العظيم والأمر الكبير هو تدبر هذا القرآن العظيم والتأمل في آياته فإنه الباب الأعظم إلى العلم بالتوحيد ويحصل به من تفاصيله وجمله ما لا يحصل في غيره. Tout ceci est celui qui regarde à la preuve immense et au commandement le plus grand, qui est bien sûr de méditer le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, de réfléchir sur ces versets. C'est sans aucun doute l'étape la plus importante et la porte la plus bénéfique pour acquérir la science du tawhid, car par les détails du Coran, par les phrases du Coran, la personne acquiert ce qu'elle ne peut acquérir dans autre que le Coran. طيب. ثم يقول المؤلف حفظه الله شروط لا إله إلا الله. Ensuite, الشيخ عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب الوصابي حفظه الله ouvre le chapitre des conditions de la ilaha illallah. Après avoir connu la signification de la ilaha illallah et que c'est quelque chose que tu dois connaître et chaque musulman se doit de connaître la signification de la ilaha illallah, il entre ensuite dans ce qui fait partie de la connaissance de la ilaha illallah, à savoir les conditions qui doivent être réunies pour que ta science et ta croyance en la ilaha illallah soient valides. الشرط الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا المنافي للجهل. La première condition, c'est de connaître le sens de la ilaha illallah, à la fois l'affirmation et la négation. Car la parole la ilaha illallah comporte une affirmation et comporte une négation. La ilaha, point de divinité, c'est la négation. Tu nies toute adoration à autre qu'Allah.
Et ensuite, tu attestes et tu affirmes que le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah en disant « Illallah, sauf Allah ». Et la science de « La ilaha illallah » doit être une science à la fois dans l'affirmation, mais aussi dans la négation. Une science qui doit exclure l'ignorance. Tu dois connaître la ilaha illallah de telle sorte que tu ne fasses pas partie de ceux qui ignorent la signification de la ilaha illallah. La preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal, قال الله تعالى فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Sache et apprends qu'il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adorée sauf Allah. C'est donc un ordre d'Allah Azza wa Jal d'apprendre. Quelle est la preuve dans la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم وعن عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة رواه مسلم. Selon Uthman ibn Affan رضي الله عنه, il dit, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, celui qui meurt tout en sachant qu'il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adorée qu'Allah, entrera au paradis. Entrera au paradis. Et les savants ont expliqué ce hadith, à savoir que la connaissance ne suffit pas, mais qu'il faut aussi la prononcer. Il faut la prononcer. Et cela est compris dans d'autres hadiths que l'on verra par la suite. Mais d'utiliser ce hadith en disant je connais la signification de la ilaha illallah, cela me suffit à entrer au paradis, la réponse est non. Il faut la dire, il faut croire en cette parole après l'avoir comprise, et il faut aussi mettre en pratique tout ce que cette parole te demande de faire et de t'abstenir de tout ce que cette parole t'interdit de faire. الشرط الثاني. Donc la première condition de la ilaha illallah, c'est la connaissance de celle-ci. الشرط الثاني اليقين المنافي للشك. La deuxième condition, c'est la certitude qui exclut le doute. Tu dois donc être certain de la véracité de cette parole la ilaha illallah. قال الشيخ وذلك بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن فكيف إذا دخله الشك. Ceci, c'est-à-dire la certitude, a lieu par le fait que celui qui la prononce doit être sûr et certain et doit avoir la certitude de tout ce que cette parole a comme sens. Il doit avoir une certitude parfaite. Car, lorsque l'on parle de la foi, lorsque l'on dit qu'on a la foi en quelque chose, il n'y a que la science sûre. Il n'y a que la certitude qui peut profiter à la personne. La science approximative n'est pas considérée comme une foi, et encore plus celui qui a des doutes. On ne peut pas dire qu'une personne est croyante en une chose si elle a des doutes sur cette chose. Lorsque l'on dit que tu crois en Allah, c'est que tu dois avoir la certitude qu'Allah Azza wa Jal est ton créateur et que c'est lui et lui seul que tu dois adorer sans rien de lui associer. Ce doit être une certitude. Ce ne doit pas être une science approximative et encore moins une science qui comporte des zones d'ombre. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون.
Quelle est la preuve dans le livre d'Allah? La preuve est la parole d'Allah Azzawajal dans Sourate Al-Hujurat, le verset 15, lorsqu'il dit selon le sens, les croyants sont ceux qui ont cru en Allah et son envoyé, puis n'ont pas douté et ont combattu avec leurs biens et leurs personnes dans le sentier d'Allah. Ce sont eux les véridiques. قال الشيخ فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا أي لم يشكوا فأما المرتاب فهو من المنافقين والعياذ بالله الذين قال الله تعالى فيهم إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. Cheikh Al-Wissabi, Hafidahullah, dit, en expliquant le premier verset, qu'Allah Azzawajal a posé comme condition pour la véracité de leur croyance en Allah et à son envoyé le fait qu'ils ne doutent pas. Le fait qu'ils ne doutent pas. Car Allah Azzawajal a dit, ceux, les croyants sont ceux qui ont cru en Allah et son envoyé, puis n'ont pas douté. Quant à celui qui doute, il fait partie des hypocrites, qu'Allah nous en préserve, ceux sur qui Allah Azzawajal a dit « Mais te demande l'autorisation ceux qui n'ont pas cru en Allah et au jour dernier et dont les cœurs ont douté, ils persisteront dans leurs doutes ou ils pataugeront dans leurs doutes. » Ici, Allah Azza wa Jalla parle des munafiqins, en surat al-Tawbah, le verset 45. Il parle des hypocrites qui ont demandé l'autorisation au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas combattre. Et dans le verset précédent, Allah Azza wa Jalla a dit « La yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billah » Il ne te demande pas l'autorisation ceux qui ont cru en Allah. Et dans le verset d'après, Allah Azza wa Jalla a dit, mais ceux qui te demandent l'autorisation, c'est-à-dire de ne pas combattre, ce sont en réalité les hypocrites. Et Cheikh Sa'di rahimahullah a dit, en expliquant le verset 45 de Sourate At-Tawbah, أي ليس لهم إيمان تام ولا يقين صادق فلذلك قلت رغبتهم في الخير وجنبوا عن القتال واحتاجوا أن يستأذنوا في ترك القتال فهم في ريبهم يترددون أي لا يزالون في الشك والحيرة. Il dit rahimahullah, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de foi complète et ils n'ont pas une certitude véridique. C'est pour cela que leur désir dans le bien est faible. Et c'est pour cela qu'ils ont voulu délaisser le combat. Et c'est pour cela qu'ils ont eu besoin de demander l'autorisation de ne pas combattre. Ils sont, فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ Ils pataugent dans leur doute, c'est-à-dire qu'ils ne cesseront d'être dans le doute et dans l'impasse. La preuve dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit le cheikh, « وعن أبي هريرة رضي الله عنه, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة رواه مسلم. اشترط في دخول قائله الجنة أن يكون مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. Quelle est la preuve dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam que pour que la ilaha illallah soit valide, il faut avoir la certitude de celle-ci? C'est le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui que tu rencontres derrière ce mur
attestant qu'il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adorée qu'Allah, en étant ou en ayant la certitude avec son cœur, alors annonce-lui la bonne nouvelle du paradis. Hadith authentique rapporté par Muslim. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé comme condition pour que celui qui prononce la ilaha illallah puisse entrer au paradis, qu'il doit être persuadé de celle-ci avec son cœur, sans avoir aucun doute. Et si la condition est exclue, alors ce qui est conditionné est exclu aussi. À savoir, c'est une condition, la condition c'est d'avoir la certitude, et ce qui est conditionné c'est le paradis. Si la condition est nulle, et si elle est inexistante, alors ce qui est conditionné est aussi inexistant, et la personne ne pourra pas en profiter. Et ce hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, qu'a cité Cheikh Al-Wissabi, hafidhahullah, c'est un hadith long, et j'ai décidé de vous le lire dans sa totalité afin de profiter des enseignements qu'il y a dans ce hadith. Car ici, le cheikh n'a cité que l'extrait du hadith, et c'est ainsi que font les savants. La plupart du temps, ils citent dans les hadiths ce qui est الشاهد, يعني ce qui est suffisant ou le besoin selon le sujet traité. Et ici, le besoin était de prouver dans la sunna du prophète sallallahu que d'avoir la certitude en la ilaha illallah est une des conditions de la ilaha illallah. Mais afin de que le bienfait soit plus vaste, on va vous lire inchallah le hadith dans sa totalité. Un hadith donc apporté par un musulman dans son sahih. قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر في نفر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائضا للأنصار لبني النجار فدرت به هل أجد له بابا فلم أجد فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجه والربيع الجدول فاحتفزت كما يحتفز الثعلب فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله قال ما شأنك قلت كنت بين أظهرنا فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي فقال يا أبا هريرة وأعطاني نعليه قال اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة فكان أول من لقيت عمر فقال هاتان النعلان فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة فقلت هاتان نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لستي فقال ارجع يا أبا هريرة فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهت بكاء وركبني عمر فإذا هو على أثري فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة فقلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثني به فضرب بين ثديي ضربة خررت لستي قال ارجع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي
أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال نعم. قال فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها، فخلهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم. حديث long, comme vous avez pu le constater, qu'on va traduire inshallah. Abu Hurayra radiallahu anhu dit, nous étions assis autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il y avait avec nous Abu Bakr et Omar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est alors levé d'entre nous, puis il a disparu. Nous avons eu peur qu'il ait été kidnappé. Nous avons été effrayés. Où nous étions effrayés. Nous nous sommes alors levés et j'étais le premier à être effrayé. Je suis sorti en recherchant le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à arriver à proximité d'un mur de l'Ansar appartenant à Bani Najjar. Un mur, c'est-à-dire un enclos dans lequel qui délimitait un jardin. Fadurtubi, j'ai fait le tour de celui-ci en espérant trouver une porte, mais je n'ai pas trouvé. Puis j'ai vu un petit fleuve qui entrait à l'intérieur de ce mur et qui donnait sur un puits. Je me suis alors faufilé comme se faufile le serpent et je suis entré et j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il m'a dit, Abu Hurayra, autrement dit, est-ce Abu Huraira? J'ai dit oui, envoyé d'Allah. Et le prophète Hassan lui a dit, que se passe-t-il? Il a répondu, tu étais parmi nous, puis tu t'es levé et parti et tu as disparu. Nous avons eu peur que tu aies été kidnappé et j'ai été le premier à avoir peur. Et je suis arrivé jusqu'à ce mur, je me suis faufilé comme se faufile le serpent. Et les gens sont derrière moi. Et le prophète sallam a dit, ô Abu Huraira. Et il m'a donné ses deux sandales. Et m'a dit, pars avec mes deux sandales-ci. Et celui que tu rencontreras derrière ce mur, attestant qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah, en étant sûr et en ayant la certitude de celle-ci, de par son cœur, annonce-lui alors la bonne nouvelle du paradis. Et Abu Hurayra radiallahu anhu dit, et le premier que j'ai rencontré était Omar radiallahu anhu. Il m'a dit, à qui sont ces deux sandales, ô Abu Hurayra? J'ai répondu, ce sont les deux sandales du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il m'a envoyé avec celle-ci et m'a demandé, et m'a dit que celui que je rencontrerai, attestant qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah en ayant la certitude avec son cœur que je lui annoncerai la bonne nouvelle du paradis. Et Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a frappé Abu Huraira avec sa main entre ses pectoraux et il est tombé sur son derrière. Et Omar al-Khattab a dit, Abu Huraira, retourne, ô Abu Huraira. Et il dit, je suis retourné chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et entre temps, je me suis mis à pleurer. Et Omar al-Khattab me suivait et était derrière moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, une fois arrivé à lui, ô Abu Huraira, j'ai dit, j'ai rencontré, c'est-à-dire Abu Huraira a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai rencontré Omar et je l'ai informé de ce que tu m'as envoyé et ce que tu m'as envoyé de dire. Et il a frappé, ou il m'a frappé entre mes pectoraux et je suis tombé sur mon derrière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Abu Huraira, retourne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô Omar, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce que tu as fait? Il a dit, ô envoyé d'Allah, je sacrifierai pour toi mon père et ma mère. Est-ce toi qui as envoyé Abu Huraira?
avec tes deux sandales, en lui disant que celui qui rencontrerait, attestant qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah, en ayant la certitude de celle-ci par son cœur, de lui annoncer la bonne nouvelle du paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Na'am, oui ». Et Omar radiallahu anhu a dit « Fala taf'al, ne fais pas, car j'ai peur que les gens se reposent sur celle-ci. Laisse-les accomplir, c'est-à-dire laisse-les œuvrer. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, autrement dit à Abu Huraira, « Laisse-les, c'est-à-dire laisse-les œuvrer. Il y a dans ce hadith beaucoup de morale à en retenir. On va citer quelques-unes de ces morales qu'a citées Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, dans son explication de Sahih Muslim. Il dit tout d'abord que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure des personnes et que le prophète alayhi salatu wa sallam était extrêmement sociable avec ses compagnons. Il s'asseyait avec eux, parlait avec eux, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas partie de ces personnes qui ont des portiers devant chez eux et qui ne peuvent pas être vus aux besoins des gens. Deuxièmement, on retient de ce hadith l'amour des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils avaient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que quelques instants d'absence ont terrorisé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont cru que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été kidnappé ou qu'il avait été enlevé voire tué. On retient de ce hadith également les mérites d'Abu Huraira radiallahu anhu, car c'était le premier à avoir été effrayé radiallahu anhu. On retient de ce hadith également l'autorisation d'entrer dans une maison par autre que sa porte lorsqu'il y a un besoin à cela. La preuve est le fait que Abu Huraira radiallahu anhu, est-ce qu'il est rentré dans le jardin par sa porte? Non. Il s'est faufilé comme se faufile un serpent. Cinquièmement, qu'il est autorisé de donner à une personne une preuve ou un signe de sa véracité. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à Abu Huraira ses deux sandales pour prouver, pour que cela soit une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il l'a vu, et que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dit de transmettre cette information. Sixièmement, on déduit de ce hadith la force de Omar radiallahu anhu, qui, lorsque il a frappé Abu Huraira, celui-ci est tombé sur son derrière. Sabi'an, il y a une preuve dans ce hadith que celui qui fait un acte par ghiratan, yani al-ghira, c'est l'amour qu'une personne a pour la religion. À savoir que lorsque les limites d'Allah sont dépassées et outrepassées, eh bien cela énerve le croyant, cela le dérange. C'est ce que les savants appellent al-ghira. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est de cette communauté celui qui a le plus de rira, le plus, je ne sais pas comment traduire le rira, est-ce qu'il y en a qui connaissent la traduction? Le dévouement que la personne a dans la religion, le fait que lorsqu'il voit un interdit, cela le dérange et cela l'énerve. Ainsi, Omar al-Khattab radiallahu anhu, pourquoi est-ce qu'il a réagi comme ça face à Abu Huraira? Est-ce que c'est pour faire du mal à Abu Huraira? Non, parce qu'il a su que si cette information
serait propagé, que les gens pourraient utiliser cela comme une occasion de dormir sur leur laurier et de ne pas adorer Allah Azza wa Jalla comme il se doit. Et parce qu'il aime la religion, parce qu'il veut le bien pour les musulmans et qu'il déteste pour eux l'égarement, Omar al-Khattab radiallahu anhu a réagi ainsi. Et parce qu'il a réagi ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas réprimandé. Est-ce qu'il lui a dit, pourquoi est-ce que tu as frappé Abu Huraira? Tu n'aurais pas dû faire cela? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas réprimandé car Omar radiallahu anhu a fait cela poussé par son amour pour Allah et son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. On déduit également de ce hadith la grande place qu'a Omar auprès des compagnons. Et que lorsqu'il a dit à Abu Huraira de retourner, est-ce qu'Abu Huraira radiallahu anhu a bronché ou est-ce qu'il a refusé? Non, il a obéi car il avait un immense respect pour Omar al-Khattab radiallahu anhu. On déduit également de ce hadith qu'il y a certaines choses qui peuvent être cachées aux grands de cette communauté. Et la preuve est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'au final il a rejoint Omar al-Khattab dans son avis? Oui, il a rejoint Omar al-Khattab dans son avis, et que le fait que les gens puissent utiliser cela comme une excuse ou comme une opportunité pour avoir une garantie du paradis et délaisser les œuvres, cela n'est pas apparu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais est apparu à Omar al-Khattab radiallahu anhu. Et c'est une preuve également que celui qui a le commandement des gens, lorsqu'il voit que lorsqu'une personne sous son commandement a un avis juste, qu'il doit le suivre. Et ce n'est pas parce que tu es au-dessus des gens, ce n'est pas parce que tu es le commandant que tu dois t'abstiner dans le mal. Non, parce que tu vois qu'une personne parmi ceux qui sont sous ton commandement te révèle une réalité ou une vérité, tu te dois de la suivre. Pourquoi ne la suivrais-tu pas alors que le prophète sallam n'a pas hésité à revenir et à prendre en compte l'avis de Omar al-Khattab radiallahu ta'ala anhu. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. On continue le cours de fiqh après l'après de l'asr إن شاء الله.